Bonjour tout le monde, présentation du nouvel aspirateur sans fil que j'ai acheté chez Lidl à 80 euros. Concernant le temps d'utilisation, le temps de charge, etc., etc., vous les aurez un peu plus tard sur bricoscore.com, rubrique aspirateur sans fil. Je l'ai acheté ce matin et vous aurez la vidéo ce soir. Il me faut beaucoup plus de temps pour faire les différents tests. Le niveau de filtration, c'est 99,95%. Air refoulé ultra propre, filtre HEPA et un filtre en acier inoxydable. Puissance moteur 130 watts, il est sans fil, il a un mode éco 45 minutes et il est garanti 3 ans. On y trouve la notice d'utilisation. La puissance maximum 130 watts, on est sur une batterie de 22,2 volts, 2500 mAh. Le temps de charge est de 4 à 5 heures. En mode max, le temps de fonctionnement, ça sera 25 minutes. En mode économique, 45 minutes. Le bac à poussière, c'est 0,6 litres et c'est au maximum 75 décibels. Avec possibilité d'acheter des accessoires de remplacement. Le chargeur, on est sur 12 watts en sortie, une petite brosse, un support pour accessoires, le support de l'aspirateur, la visserie de fixation, la brosse principale, largeur 23 cm, partie intérieure à peu près 18,5 cm, avec deux petites roulettes sur les bords, avec un système de déverrouillage. Et là, on a accès à la brosse. Au niveau de la brosse, on est sur du 35 mm. Et le corps de la brosse, 12 mm. On est sur du poil souple et une brosse assez fine. C'est-à-dire qu'elle risque de se prendre les cheveux. La batterie, 22,2 volts, 2500 mAh, capacité globale, 55,5 Wh. Le tube et le bloc moteur. À ce niveau-là, le panneau de contrôle pour éteindre, allumer, mode max, mode économique. Ici, la poignée, à noter qu'il n'y a pas de gâchette de fonctionnement. Le logement pour la batterie. Vous devez impérativement charger la batterie avant la première utilisation. La cuve se retire, il suffit d'appuyer à ce niveau-là. Et là, vous pouvez retirer la cuve. Et ensuite, là, on va pouvoir vider. Là, ça s'ouvre, il suffit de déverrouiller. Là, vous avez un filtre HEPA. A noter qu'il n'y a pas de deuxième filtre HEPA inclus. Et là, vous avez le filtre cyclonique. Le filtre HEPA n'est pas nettoyable à l'eau. Il conviendra d'utiliser une petite soufflette. Vous avez quatre éléments de positionnement, dont deux proches, qui viendront se connecter à ce niveau-là. Ensuite, on positionne le filtre HEPA. Ensuite, on va venir refermer. Ici, vous avez un élément de positionnement qui viendra ici. Et on verrouille. Vous pouvez charger la batterie hors de l'aspirateur ou sur l'aspirateur. Avec un indicateur de charge sur 4 niveaux. Sur la première charge, même si la batterie semble totalement chargée, il faut laisser plus longtemps parce que là, il charge encore. Vous voyez, là, j'ai encore du 15,4 watts. Surtout, sur votre première charge, laissez-le plus longtemps. Et l'aspirateur complètement chargé et branché, on est sur du 0 watt. On a un bouton pour allumer, il faut maintenir. Économique par défaut. Et maximum. Économique. Max. Thank you.
Écho. Là, vous voyez déjà après mon petit test. À noter qu'on est sur une petite cuve, j'ai mesuré 250 grammes. Au niveau de la brosse, bah, comme prévu, les cheveux s'enroulent au niveau de la brosse. Sur différents endroits. Petits cailloux, poussière, poils d'animaux. Bon, le filtre PA, il s'est pris pas mal de poussière. Ils auraient pu rajouter un pré-filtre mousse avant. Donc je tiens à vous rappeler que le filtre EPA n'est pas lavable à l'eau. Par contre, la cuve et le filtre en acier inoxydable sont lavables à l'eau. Après, pour tout ce qui est nettoyage de filtre et de cuve, j'utilise maintenant uniquement ce genre de soufflette. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo, où vous la trouverez également à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. Vous tapotez le filtre. Et après, vous passez un coup de soufflette. Et vous voyez déjà ce que ça peut donner. A noter que le système de fermeture ici, il aura tendance à pas trop bien se fermer. Pour tout ce qui est temps d'utilisation, temps de charge, vous aurez tout un petit peu plus tard sur bricoscore.com, rubrique aspirateur sans fil. Voilà pour la petite présentation de l'aspirateur de Lidl. On est sur un aspirateur de puissance moyenne. Au niveau d'avantages, on a de bons résultats sur sol dur. La cuve qui est amovible. Le nettoyage est assez rapide dans l'ensemble. Il est garanti 3 ans. Il est simple d'utilisation avec un bouton pour les différents modes. Au niveau des points négatifs, le résultat qui va être très très moyen sur les tapis. La brosse qui a tendance à prendre les cheveux et les cheveux s'enroulent au niveau de la brosse. Lidl devrait vraiment améliorer leur système de brosse en mettant des brosses plus épaisses avec des éléments souples et rigides. Vous voyez, ce qui permettrait de moins prendre les cheveux et donner un meilleur résultat sur tapis. On ne peut pas vider la cuve directement, on est obligé de la retirer pour pouvoir vider. Le filtre en acier qui fait moyennement son travail, et au final c'est le filtre EPA qui se rend toute la poussière. Surtout merci de laisser vos avis en commentaire de la vidéo, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt, au revoir.